Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Yon sa, c'est l'état de 1685 arrestations. Parmi yo, gen 39 mam ak chef gang agent PNH yo nan Nord-Ouest rive mete en bas corde. Gen 6318 interventions ki te fait, 15 zam a fe sezi ak yon quantité. Produit stupéfiant, force flot yo a travers BLTS te rive sezi selon bilan annuel sa. Inspecteur Lionel Joseph, se porte-parole PNH la nan département Nord-Ouest la. 25 arrestations. 1212 sous mandat. 473 en flagrant délit. Quant à intervention, la police effectuait 6318 interventions. Gagné 39 membres de gang et chefs de gang que la police arrêtait et déférait à la justice. Gagné un présumé kidnappeur qui arrêté. Armes a fait saisi ces 15, gagné 14 dans les âmes qui en bon état, mais gagné une dans yo qui c'est une âme artisanale que la police saisit pour année 2020. 22 cartouches de calibre 9 mm, 4 cartouches de calibre 38, 4 cartouches de calibre 12, 4 cartouches de calibre 380, 27 cartouches de calibre 22, 150 cartouches de calibre Garlil. Non, 27 assassinats et meurtres, gagné 18 présumés auteurs que la police déjà arrêté et déféré à la justice. Voie de fait simple, vol, association malfaiteur, tentative d'assassinat, c'est chef d'accusation Sayo qui était plus répété pendant l'année 2021. D'après inspecteur Lionel Joseph, cap bay quelques chiffres. Il y a 227,474 kg de marijuana qui testait positif. Nombre d'agents saisis, c'est 64 400 gouttes. C'est voie de fait simple qui totalisait 424. Il y a vol 245. Association de malfaiteurs 101. Et tentative d'assassinat qui c'est 89. Comparativement à l'année 2019, la taux criminalité a été augmenté en pile pendant l'année 2021. Toutefois, porte-parole régionale PNH la dans Nord-Ouest a déclaré qu'il y a un pile stratégique qui a défini dans le commandement PNH la pour diminuer taux criminalité a pendant l'année 2021. Qu'est-ce que son général était sur une cellule qui travaille spécialement sur les policiers ou certains policiers affiliés à des hommes. Et c'est que ça a déjà prouvé une image et nous avons développé tout le policier qui a fait les actes de banditisme de côté de la course à l'opinion. Maintenant, parce qu'il y a la question de ça, c'est une question de fondement. Effectivement, en tout cas, le travail, comme on dit, c'est une commission qui a travaillé sur nous. Il y a un ensemble de acteurs qui fait les policiers qui sont présentés. L'inspection générale demande à leur commandement respectif, manière de servir, de continuer l'orientation des chefs pour eux, jusqu'à ce qu'ils répondent à la convocation de l'inspection générale pour eux. On a reçu 668 dossiers, 2188 actes d'enquête réalisés, 355 rapport d'enquête expédié à la direction générale, 752 recommandations au DGDNH et 1025 dossiers traités à l'inspection générale. Le mois de janvier, pour le dossier de l'année 2020, avec 90 février, 31 mars, 51 avril, 33, mai 39, juin 41, juillet 72,
79, septembre 52, octobre 60, novembre 65 et décembre 55. Ce qui donne un total de 668 dossiers. Donc, le mois de janvier, c'est Pixa qui pire parce que tu gagnes 90 dossiers de l'inspection générale pour les signes. Maintenant, on a passé à 100 dossiers de l'inspection générale de faire au cours de l'année 2020. On te laisse voir 290 plaintes, 54 plaintes par courrier, 45 saisies d'office entre dénonciations, clameurs publiques, la presse, etc. 179 rapports d'espace de la DRH, 4 demandes de réintégration, 16 pour correspondance policière, ce qui donne un total de 668 de l'initiative d'adhérent. 125 convocations et invitations, 925 auditions, 117 rétention d'échec, 118 confrontations, 157 rétention d'échec, et 117, excusez-moi, pour le vote de mission, 113. Je parle de confrontation, le vote de 118, maintenant 113 médiation. Et 37 mesures conservatoires, 27 levées de mesures conservatoires, 21 isolement, 22 levées de mesures isolement, 10 attestations publiques. Per dame, 16 autres attestations, etc. Ce qui doit être total de 2188 acquis qui étaient réalisés pour 2020. Il y a une plafond, nous voyons ces auditions qui gagnaient plus à conquête. Là, vous commencez par le commencement. Parce que dans ces deux secteurs qui sont en état de recevoir un jugement dans des secteurs criminels sans assistance de jury, ça veut dire là, recommencer côté notaire. Mais bon, ensemble d'activités, nous devons prévoir de conseil avec le commissaire gouvernement Nafel. Et hier, nous avons contacté l'un de vos bâtonniers dans la réunion de gagnants. Il dit qu'il y a une quantité d'avocats que l'a mis à disposition du tribunal là pour pouvoir faire audience. Nous avons toujours dit si il y a un problème de détention préventive, la faute ne compte pas aux avocats. Parce que l'avocat est toujours disponible. Le fait audience en week-end est toujours là. Les élections, quand on est en pile infraction qui commettent les infractions à la loi électorale, pour qu'on aurait le ça, le tribunal a été siégé en permanence, ça veut dire même le samedi, même le dimanche. Avec 5 procès verbal de flagrance, il y a maintenant dans le tribunal pour juger. Et le ça tout, l'avocat est toujours disponible, il y a toujours un grand nombre pour bail compétence à tribunal là pour capable statuer. Elle dit, Nathan doit et bâtonnier qui promettent nous valoir une quantité d'avocats à nous. Pour nous, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer avec l'audience pénale, Charles Ramandeli, des audiences correctionnelles ordinaires, des audiences dans l'après-midi pour nous faire comparution immédiate en application de la loi d'ici 1927, pour nous faire des audiences criminelles sans assistance du jury. En attendant, nous avons une possibilité pour nous fixer les audiences criminelles avec assistance du jury, parce que la loi dit qu'il faut doyer, comme c'est le gouvernement, planifier au moins 2 sessions d'assises criminelles avec assistance du jury par année. Faut que nous leur envoyer papier par pour venir voir le témoin. Faut qu'ils viennent. Nous connaissons ici toujours une tradition orale. Mon nom est arrêté là, pour expliquer comment, avec force détail, pour nous donner comment ça a dépassé. Mais immédiatement, on va l'on procès verbal pour verbaliser. Maintenant, nous n'avons pas qu'on est la justice. Moi, c'est fort pour aider. Si maintenant, il y a une information, il faut le bailler la police, il faut le bailler la justice pour permettre que je remonte filière tout le monde. Parce que ce n'est pas normal. Pardon, fin d'année, nous sommes passés là. Son bail est difficile. Nous ne pouvons pas sortir. Il faut que nous aider la police. Fait travail. Il faut que nous aider la justice. Fait travail et tout. Là, nous baillons bonne information pour permettre de condamner nous. Parce que le législateur a prévu peine, ça veut dire bon, double but. Le bon but de prévention, ça veut dire peine là, il faut constituer une menace pour l'autre monde
qui t'a tenté pour commettre un acte. Mais on veut de répression, tout ça veut dire nous n'a fait mauvais acte là faut le sanctionner. Faut peine son menace, ça veut dire les monde n'a gardé le procès public qui fait. Yon monde tout monde ballon peine de travaux forcés à perpétuité. Monde ça l'autre monde qui va faire ça qui a profité mille fois. Mais nous n'a tout les balle sanction. En plus société a gardé monde ça des sanctions. Vous sentez famille monde là qui est victime là. Ça pas fait mon ressusciter pour le vivant pas, mais au moins il sentit soulagé. Il dit oui, on est justice, même ça que vous condamnez, s'il vient des biens, s'il vient l'argent, la banque, au moins famille victime a pratiqué saisie sous bien mon nom pour réparer préjudice que vous posez famille. Moi, c'est fort mon collaborer avec Jujo, pour collaborer avec la police, pour nous capables de gagner en justice institutionnelle qui a fonctionné, j'en ai demandé les gens liés dans tout grand pays qui est civilisé. C'est un plan qui charrie, qui pose question sur tout problème qui te gagne en dans le système éducatif là et qui montre qui solution pour yo et qui ça doit faire grande préoccupation nous pour 10 prochaines années dans affaires éducation. Et notamment qui gens pour nous mettre accent sur ça nous les accès à l'éducation, ça nous les gouvernance système non, ça nous les qualité système non tout. En même temps, chercher joindre dehors tout le monde qui était dehors système non et nous connaissons depuis quelques années nous avons un taux de scolarisation qui dépassait eh bien 90%. Mais tu restes qui dehors eh bien un problème ça qui posait dans PDF là faut qu'on cherche joindre pour capable éduquer. Dans ce sens ça nous sentons nous fier en pile pour nous permettre jodi à nation connaît que plan décennal éducation et formation li fini totalement après 2 années de dur labeur. Donc pour la programmation nous gain c'était nous gain pour processus là qui t'a fini le 28 décembre supposé bon texte bon te fait texte ça plus ou moins t'es préparé comme gars t'es temps gain t'es temps élaboré connaissance jusque là ce qu'a fait et puis t'es gain éléments sur question de coupage administratif qui n'ont pas de expertise véritablement, pas de sous de nous faire encore lundi passé. Et puis dans le temps, il y a une réflexion qui est approfondie, donc qui est allongée et relecture texte là. Mais ma deuxième phase, on est encore dans le temps parce qu'on dit que la deuxième phase a commencé et semaine qui vient là, de consultation. Là. Et que nous avons supposé d'ailleurs le 26 janvier, c'est. Programmation s'en dégaine depuis lundi fait commencer, c'était ça, mais nous avons encore dans le temps. Pour prolonger, madame, là, vous demandez encore. Non, alors, pour le prolongation, c'était en close parce que nous avons 2 mois pour faire la première phase là, et bah, phase par phase. C'est-à-dire que depuis la première phase, qui était 2 mois pour nous faire consultation, pour nous faire avant-projet, nous avons un mandat, et qu'on a un autre mandat pour nous faire consultation avec la population, assise, que nous avons fait sous la constitution avec groupe organisé de la société civile. Qui va approuver le document final là? Et bon, on a pu respecter samedi dimanche un document qui a été présenté dans le mois début novembre. C'est 26. La façon pour nous faire en sorte que nous avons fait tout un contrôle que d'ici 26 février que nous remettons le texte là. AEPA, Guillaume Damez Adieu, promet que cela apprend toute disposition pour organiser un référendum constitutionnel avec l'élection. Il y a un extrait micro, Lina Jean-Louis, avec Théodore Daniels. Conseil électoral provisoire, qui formé par AEPA présidentiel le 18 septembre et puis qui prend fonction depuis le 22 septembre 2021. C'est tout ça qui nous fait et puis tout ça qui nous fait tout possibilité pour préparer l'activité ça n'a pas aujourd'hui pour permettre la machine électorale à démarrer. De nous ça, nous dans l'organisation référendum constitutionnel là, à réaliser l'élection qui peut permettre tout le ici choisir libre notre personnel politique qui peut mener notre pays. Aujourd'hui, le conseil électoral provisoire annonce toute population à tes politiques à la ronde badée. La presse PSP est spécialement déclaré sur le référendum sorti dans le journal officiel Le Moniteur le 5 janvier 2021. Le résultat travail avec le conseil électoral là
avec toute technique liée, le dialogue avec le rapport de travail qui utile en pile à pouvoir exécutif. Déclare le référendum ça, il y a la donne 141 articles, qui est parti dans 11 chapitres. Nous sommes capables de considérer tout ça nous devons faire comme institution électorale. Sauter en préparation vote là, passer le jour vote constitution en lui-même pour arriver sous publication résultat référendum. Le cadre de jeudi, conseil électoral provisoire, annoncer une publication calendrier pour l'année 2021. Calendrier électoral, ça, c'est une série d'activités qui est programmée, une date qui est importante et qui a un peu de sens pour nous dans l'histoire politique du pays. Le conseil électoral provisoire, moins des privilèges dirigés, a fait tout devoir pour informer toute population, particulièrement parti politique, toute phase processus électoral. Nous voulons que tout le monde garantit que vote a compté. Nous faisons ça, conseil électoral provisoire, décider à condition en grand monde, mais c'est preuve de crédibilité, transparence, mais en dynamique démocratique. Nous avons vu dire la question recrutement qui a commencé depuis le 4 janvier et qui a pris fin le 15 janvier. Nous allons faire évaluation sans de vote pour nous connaître exactement qui de nous va voter. Et nous allons travailler pour nous rendre sans de vote au plus près de la population. Nous avons une activité liste électorale qui est ressortie la date 26 mars, année 2021. Décret ça, qui se tient, qui va nous voir pour nous faire ça, nous le référendum. Le référendum, ça, nous le programmons pour le 27 avril 2021. Nous programmons vote ça pour le 27 avril 2021. Après vote 27 avril 2021. Après ça, nous allons préparer un décret qui va permettre nous d'organiser l'élection législative, présidentielle, municipale et locale. L'élection législative municipale y a fait en date 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. La présidentielle là-dedans. Deuxième tour, présidentielle législative la fête en date 21 novembre 2021. Deuxième tour, présidentielle législative la fête 21 novembre, en date ça n'a tout fait, élection municipale et élection locale. La base de la définitive élection sérieux, la commencé depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à 22 janvier, parce que nous n'avons pas bail date. Et résultat pour municipal avec les statuts présidentiels ensemble. Parce que gagner des dates butoirs, nous connaissons que nous respectons. Et ça fait ce temps ça, nous prenons, nous quoi l'important pour nous informer de dates ça, le cadre calendrier électoral que nous-mêmes nous faisons ici en CEP. Privilège pour nous de pouvoir accueillir des artistes venus de partout et qui pour la plupart sont arrivés dans leur pays depuis presque un an. Ils ont certainement tout donné pour le plaisir du public et pour l'honneur. Pour cette 15e édition, le Pape Diaz ne déroge pas à sa promesse d'être le grand rendez-vous annuel des mélomanes et amateurs de culture du début d'année. Du 16 au 23 janvier, Port-au-Prince sera en fête à nouveau pour 8 jours avec une quarantaine de concerts à 80% gratuits et plus de 15 ateliers et de masterclass qui seront cette année offerts au Centre d'art. Le Caribbean Hotel, l'Institut français, et l'Université Quisqueya accueilleront des artistes de 13 territoires, Allemagne, Belgique, Cameroun, Canada, Cuba, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Haïti et bien sûr Haïti, la Réunion, la Russie et Trinidad et Tobago, sans oublier un projet artistique soutenu par l'ambassade de Suisse. Il y a d'abord un support financier, il y a ensuite un support contenu, et puis mon support logistique. Femme d'où même peut-être bah, pas connaître, c'est que le festival qui fait là, c'est ça un produit du ministère de la Culture. Ce n'est pas un festival qui sorti dehors, c'est un festival qui sorti de l'intérieur. Depuis 15 ans, depuis 15 éditions, le ministère de la Culture toujours dans le festival là.
une coulisse pour qu'on ait, c'est que ce festival qui d'abord était organisé à l'intérieur même du ministère. Les réunions de planification se faisaient au ministère de la Culture. On pas quel gros festival qu'a fait là. Donc on est ancien cadre du ministère. Moi, ce sont des produits du ministère, puis le ministère a retiré l'école et puis le supporte. Sous quatre chemins, le quatre chemins lancé qui c'était théâtre lui-même. Et c'était ambassade Belgique, c'est moi-même qui était directeur et qui rencontrait l'ambassade Belgique comme en 2002-2003. Et je dis un festival là fait route. C'est même bagaille qui est pour le festival international de jazz là. Il commence Jean-El et Milena Rap Explico, Mexique, un petit festival de hein, interpays. Et puis je dis à l'événement un standard international. Nous supportons financièrement. Et à Nessa, c'est comme d'adjou, Jean-El de dire, c'est toute la batterie de l'État qui était derrière. Pour plusieurs raisons, mais raison fondamentale là, c'est la question sanitaire. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.